Bonjour, moi c'est Grégory Quartarolo, président de l'association Guyane Wild Fish, première association aquariophile de Guyane. Alors nous sommes présents aujourd'hui sur la Noussiri, qui est un affluent de l'Oyapock. L'Oyapock, c'est près de 200 espèces de poissons d'eau douce. La Noussiri, c'est une zone d'intérêt écologique où il n'y a pas eu d'inventaire au niveau de la faune des poissons. Donc nous avons décidé avec l'association de venir, de faire un inventaire et de voir quelles sont les espèces présentes et ce qu'on pourrait y découvrir, peut-être de nouvelles espèces. L'équipe de participants que nous avons aujourd'hui, nous avons pour une partie des pêcheurs à la canne, nous avons des aquariophiles qui souhaitaient venir sur place et découvrir les poissons dans leur milieu naturel, et également des experts en poissons qui travaillent dans des labos de recherche et qui sont capables d'identifier la plupart des espèces. Je m'appelle Eric Coupard. J'ai voulu adhérer à l'association Guyane Wild Fish pour partager des moments et des expériences d'aquariophilie avec des passionnés, des gens intéressants qui pourraient m'apprendre plein de choses sur les poissons, les biotopes, leurs expériences personnelles. Bon, vu que ça fait quand même plus de quarantaine d'années que je fais de l'aquariophilie, je peux aussi de mon côté leur apporter quelque chose. Et puis, surtout aussi, par l'intermédiaire de cette association, faire un petit peu de prévention et de protection de la nature, puisque malheureusement la Guyane en a de plus en plus besoin. Alors moi c'est Antoine Bagland, du coup je suis en Guyane depuis 5 ans, bientôt 6. Je suis naturaliste et là en ce moment je suis là sur cette mission pour inventorier les poissons de la crique Noussiri. Le but étant pour moi de réussir à inventorier le maximum d'espèces. Et donc à 2 jours et demi d'inventaire et nous sommes à 60 espèces. Thank you.
cherche un poisson en particulier. C'est ma spécialité en général dans les inventaires de poissons, c'est Ituglanis, donc ça c'est le nom en latin. Et le petit nom en français, c'est le poisson zizi, bien connu en Amazonie, donc petit poisson qui a pour légende de rentrer dans l'urètre des hommes. On a utilisé plusieurs méthodes du coup pour faire notre inventaire, des méthodes, donc plusieurs techniques comme du coup l'épuisette, l'épervier, la senne. On a aussi posé des filets, on a utilisé des nasses qu'on a appâtées avec du foie de poulet qu'on a posé le soir et relevé le lendemain matin. Et on a aussi utilisé le plus important, le masque et le tuba qui permet du coup d'observer les poissons in situ, donc dans leur habitat naturel, et de pouvoir les observer évoluer. Il n'y a pas de technique plus ou moins efficace, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Le plus important, c'est de combiner les différentes techniques afin de pouvoir inventorier les différents poissons qui se trouvent dans les différents habitats. Bonjour, alors moi je m'appelle Adrien, je suis biologiste de formation et puis passionné de photographie aussi bien sur terre que dans l'eau, mais en ce moment c'est surtout dans l'eau. Et ça fait à peu près un an là que j'ai découvert le monde fascinant des eaux sombres de Guyane. C'est vrai que quand on prend un petit peu le temps de s'y être intéressé, c'est vraiment, vraiment passionnant, vraiment fascinant. Et puis voilà, à côté de ça, moi j'aime beaucoup la plongée, surtout l'apnée, donc c'est vraiment pour moi un terrain de jeu assez incroyable quoi, ici. Voilà. Thank you.
Nous avions comme objectif de capturer un peu plus de 50 espèces. Nous en sommes actuellement à plus de 60 espèces, dont deux sont inconnues. Donc celles-ci seront conservées dans l'alcool et ensuite envoyées au Muséum d'Histoire Naturelle de Genève, en Suisse, pour des recherches plus approfondies au niveau de la génétique.